ça? J'ai eu rupture des ligaments croisés. Donc j'ai fait ça en octobre. Donc voilà, je suis venu ici un mois et demi après mon opération. Et voilà, le protocole est de 6 mois au moins. Donc je suis au bout et j'ai pu reprendre les deux derniers matchs de championnat. C'était mon petit challenge parce que a priori ma saison devait être finie. Donc j'ai pu revenir à temps et ça m'a permis de voilà d'être appelé. Je retrouve le groupe, je retrouve le staff. Donc ça fait du bien et pouvoir rejouer en tout cas c'est un plaisir. C'est bien passé, bon, c'était une reprise et pour une reprise je pense qu'on a fait du bon boulot, on est venu je pense pour les aider. Ah, c'est sûr, quand on côtoie des joueurs comme ça, qui ont l'habitude d'être appelé en équipe de France A, voilà, on se doit d'être bon et ça nous donne envie aussi de bosser davantage pour être avec eux un peu plus tard. Le premier jour surtout c'était compliqué avec le décalage horaire, surtout l'avion où on a eu du mal à dormir. Après on s'y fait petit à petit et je pense qu'on a récupéré. Et maintenant voilà, on peut se remettre au travail tranquillement. On va partir pour une demi-journée de pêche au gros. Donc dans un premier temps on va quitter le port. Daniel qui est à l'avant, on va mettre en pêche le plus vite possible. Il est là, il est là le GoPro, regarde, je vais doubler tout ça. Moi, je vais vous appeler nominativement pour vous positionner sur les quad bikes d'abord parce qu'il y a une contrainte de taille. Quad bike. Prends une photo de Pidon. Tu penses pas? Tu vas te retourner. Hop, hop, hop. Cherchez une motivation quelque part, pensez au maillot que vous avez sur les épaules. Chaque homme, qu'il soit footballeur ou qu'il soit autre chose, chaque homme a besoin d'avoir une locomotive dans sa vie, quelque chose qui le tire vers le haut. Ce maillot-là, c'est quelque chose qui peut vous tirer vers le haut pendant longtemps. Allez, bon match! Allez, 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 allez. Allez, c'était génial, je suis chez moi ici, donc je m'attendais à ce genre d'ambiance, c'était super, je remercie tous les réunionnais pour l'ambiance qu'ils ont mis, et voilà, ça fait 6 ans que je suis parti,
je reviens avec l'équipe de France et ouais, ça montre un peu le parcours d'un petit Réunionnais qui au début avait un rêve et aujourd'hui ça devient réalité. Donc moi je l'ai fait, donc maintenant aux autres de le faire.